Voilà, c'est re-re les amis. Attends. Ouais, j'ai relancé. Je t'attends, espèce de vieux crochu, à la Zlatan. Alors, je... Ouais, c'est parce qu'il y a de la pluie chez moi, il pleut à drache, mais il pleut vraiment fort sur mes volets. Ouais, mais c'est une tempête qu'il y a. Ouais, mais vas-y, fais, quand ça va venir chez toi, je vais rigoler, tu vas voir. Je vais. Zlatan Ibrahimovic, espèce de Zlatan Ibrahimovic, tu vois. Vas-y, espèce de Zlatan. Vas-y, viens. Excusez-moi, les abonnés, j'allais faire un octogone contre Zlatan Ibrahimovic. Excusez-moi. Il y a Zlatan qui est venu me parler là, il m'a parlé de négociation de contrat là. Machin là. Oh là là. Ah, Zlatan, il veut trop d'argent, Zlatan. Hop là, et ouais, ah, excusez-moi les amis, je parle à Zlatan. Il m'a parlé de négociation de contrat. Il était pas content, le petit Ing. Le petit Zlatan Ibrahimovic, Ing. Et il était pas content. Ça lui a pas plu. Et du coup, il m'a raccroché. Quelle histoire malheureuse! Et voici donc l'Inter contre le Milan AC. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Salut à vous Grégoire, salut à tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est une rencontre qui, à mon avis, va être très très intéressante. Le derby milanais, c'est un rendez-vous sacré pour tous les amateurs de football. Et ça non, fait plus de 100 ans que ça dure. Le Milan AC et l'Inter sont deux des clubs les plus vieux et les plus titrés d'Italie. Campagnaro. Vidic. Mvila cherche la verticalité. Il joue dans l'espace. Quel timing dans l'interception. Il relance côté droit. Mais il va être sanctionné. Palacio dans le dos de la défense. Guarin, l'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Il prend sa chance. C'est reparti, ils peuvent contrer. Balotelli. Il glisse le ballon en profondeur. Robinho, bien servi sur le côté. Va-t-il en profiter? La frappe de Balotelli. Il voit le cadre se dérober pour quelques centimètres. Robinho, il va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. Bon dégagement, bien joué. Les attaquants doivent participer à la récupération, il en est le parfait exemple. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Mvila. Hernanes. La relance côté droit. Hernanes, c'est bien fait ça. Ça peut être dangereux. Alors là, c'est tout de même pas très rassurant de la part du gardien. El Shaarawy. Balotelli.
Il est servi. Oh, le petit ballon piqué. Ah, le bâtard. Il centre, attention. Et les deux équipes qui continuent à se neutraliser. Il concède un coup franc. Bah arrête, il est même pas tombé, gros. Et ouais, tu lui donnes la faute, mec. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué loin devant. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Guarín. Pour trouver la faille dans la défense. Le centre devant le but. Il n'y a personne qui est au centre. Nagatomo. Vidic. Mvila. Juan. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Guarín. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Allez, ça doit faire but. Hernanes. Mauro Icardi. Balotelli. Dans l'espace. Personne n'a trouvé la faille jusqu'ici et le tableau d'affichage ne bouge pas. 0-0. Qu'est-ce que tu fais, gros ? Nagatomo. Mauro Icardi. Il va se présenter devant le but. Robinho. Balotelli. Ça doit faire but. Dans le dos de la défense. S'il te plaît, Bastour. Merci, Bastour. Oh, il marque. Toujours dans les grands matchs, lui. Tout est magnifique dans ce but. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ils vont courir après le score, mais ils ont largement le temps de revenir. Un bon centre dans la surface. Oh, oh, mais cadre, El Shaarawy, cadre, cadré. Wesh. Guarín. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Palacio. Mais il va être sanctionné. Mais hey, tu lui donnes les fautes, c'est pas possible. Oh, Icardi. Et là tu siffles pas faute. Il tente de la jouer dans l'espace. Il peut y aller. Il peut frapper. C'est repoussé. Robinho. Il joue dans l'espace. El Shaarawy reçoit le ballon. Il l'a vu. Bien joué. Oh, merci, au revoir. Allez, au revoir l'Inter de Milan. Au revoir l'Inter de Milan. Maintenant à ce moment du match, ça commence à sentir très très bon.
Ça, c'est un beau coup de tête, mais ne faut pas oublier non plus la qualité du centre. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction, et ça vous donne un but. Allez, on continue. 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Allez. Dommage, c'est une frappe. On a tenté, c'est pas grave. Allez. Ok, tu l'as vu. Mvila. Il concède un coup franc. Je vais mettre. Non, c'est lui que je vais faire rentrer. Voilà. Young, il glisse le ballon en profondeur. La passe était trop longue. Palacio. Il reste 5 petites minutes maintenant. Young pour trouver la faille dans la défense. Allez, comme elle vient. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas au-dessus, gros? T'as juste à la mettre, t'as juste à la rentrer. Pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près là. Juan. Guarín. Dans le dos de la défense. On joue sur l'aile, il est servi. Il a tenté, bien joué. C'est le moment de centrer. Attention. Oh, c'est loin du cadre. C'est pas Niang qui a tenté, il a eu aucune action, Niang. Niang, il a eu aucune action. Hein. Encore, hein, depuis qu'il est rentré. Mvila. Hein. C'est pas lui qui a tiré, c'est pas Niang. Oh, la performance exceptionnelle de la part de notre âme d'essai. On a vraiment de la chance d'assister à telle rencontre. Comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Niang, c'est celui qui a centré. On est troisième, 29 points, on a que 5 points d'écart sur le premier. Ah ouais, après on affronte direct la Lazio. Ah ouais. Gros. Allez, on joue. Allez, là c'est Milan. Et voici donc la Lazio contre le Milan AC. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Oui, salut Grégoire. On attend beaucoup de ce match, espérant qu'il tienne toutes ses promesses. Ok, déjà une faute. Ça commence bien. Ça va, ah, ce terrain-là, je l'aime bien. Il glisse le ballon en profondeur. Il prend sa chance. Et le premier danger devant le but.
C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. El Shaarawy. Il joue dans la profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Christian Ledesma. Bilia. Menez. Attention à cette passe lobée. El Shaarawy. Il enroule ce ballon dans la surface. Le poteau. Oh, le poteau. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Aucune équipe n'a encore fait la différence dans cette rencontre. Un long ballon dans l'espace. Montari. Pour trouver la faille dans la défense. Allez, Balotelli. T'enveloppe. Et 1-0. Pour le Milan AC. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Alors Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprenaient à la perfection. Milan mène d'un but. Il faut conserver cet avantage. Ils ont le match en main, mais allez, attention à joue bien rester physique. Concentré. Mathieu. Y'a rien. Tu l'as. Tu le bloques. Menez, va dessus. Ah ouais, mais Menez. Qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison. C'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. La passe dans la profondeur. Muntari. Oh, la passe en profondeur. Balotelli. Robinho. Le ballon qui vole jusqu'au second poteau. Nouveau ballon dans la surface. Allez, Balotelli. C'est bien repoussé par la défense. C'était une frappe demi-trouante. Ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Ouais, il a vu qu'on a mis Sterling en favori, il s'est dit oula. Menez, il peut centrer. Quelle reprise de volée. C'est notre NDC Constant. Il s'appelle Constant. Lulic. Le duel est perdu, il ne pouvait rien faire. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Oh oui. Ah, quel dommage. Et voilà qui rend les choses. Ah, il peut pas tout arrêter pour le toi. Le prochain but va être crucial. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Et ça repart du rond central. Égalité parfaite. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? Ah, il y a faute. Allez. Même pour lui, c'est un peu loin. Ça m'étonnerait qu'il attente direct. Ah, il va passer loin. Allez, pas passer loin. Ballon récupéré, ça peut être dangereux. Christian Ledesma, il joue dans la profondeur. Bilia. Le gardien loin devant. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur ce score, un partout. Et c'est reparti. Eh hey, frère, raté de.
Waouh! Oh, en haut de la tribune, on la voyait au fond. Oh, elle est pas passée loin. Oh, Matsumoto, elle a failli me faire un truc. Christian Ledesma. Radu. Lulic. Dans le dos de la défense. Balotelli pour le doublé. Le doublé de Mario Balotelli. C'est peut-être le but de la victoire. Ah, c'est ça que j'aime, Balotelli. Vous en pensez quoi de ce but d'Aren? La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les c'est pieds. C'est ça que il j'aime, Balotelli. C'est génial. Et le doublé. Les voilà avec un petit but d'avance. Christian Ledesma. Parolo. Robinho. Marcelo. Il centre encore. Oh, il était beau. NTX Elias. Je connais pas. Ah, Elias, mais c'est moi en Teto. En Teto Compo, wesh. Comment ça, je suis qui? Il tente de jouer dans l'espace. Pas ma voix, le chip. Le drapeau ne s'est pas levé. Centre au second poteau. C'est qui? D'accord. Celle-ci était trop longue. C'est qui? Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Bilia. Lulic. Non, mais je retiens. T'es qui? T'es qui? Il y a faute, c'est ça. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Ça fait plus longtemps que je suis sur la chaîne de Black, mon gars. Depuis plus longtemps que toi, je te connais, hein. Je l'ai créé avec eux, la chaîne, gros. De quoi tu... J'étais avec eux. Robinho. Quand ils l'ont créé. Quand tu parles. Montari. Un long ballon dans l'espace. Ah, chier. Ils obtiennent la touche. J'ai pas bien vu ou pas? Il joue dans l'espace. Menez. Toi t'arrêtes, oh, dit... qu'est-ce que tu fous là? Wesh, t'es sérieux ou quoi? Yes. Il va s'en vouloir d'avoir manqué ça. Je suis là, ça veut dire que je suis là depuis longtemps là. Wesh. La tête, superbe. C'est dégagé, loin devant. N'importe quoi là, il est. Christian Ledesma. Radu. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Menez, le centre. Ils s'en sortent. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bah, ça fait longtemps que je suis là. Hein. La passe est précise. Il va se présenter. Je suis là depuis le début et j'ai fait des lives depuis le début. Hein. Il reste 5 petites minutes maintenant. Encore quelques Qu'est-ce instants que je pour fêter cette victoire. Tu regardes les lives au moins avant de dire ça?
Non, parce que. Une belle échappée. On dirait pas. Pour la conclusion. Attention, la frappe! On dirait pas que tu regardais live, hein, parce que j'ai fait beaucoup de live, mon gars. Depuis le début de la chaîne, je suis là. Hein. Menez, attention à cette passe lobée. L'arbitre consulte son chronomètre. Christian Ledesma cherche la verticalité. C'est bientôt la fin du match. Si ça continue comme ça, ils finiront par avoir des regrets. Il joue dans la profondeur. Si. La tête. Bah si, oui et non. Oui et non. Je suis là depuis longtemps. Hein. Oh, depuis la un bail. Hein. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Qui a dit qu'il n'y avait plus de spectacle, plus de suspense, plus de but dans le football? Tout cela, on l'a eu aujourd'hui sur la pelouse et presque un peu plus. Écoute, si tu regardes pas les lives, tu regardes pas les lives. Hein. Mais par contre, dis pas si tu regardes pas les lives. Bah faut, tu vois, tu t'aurais plus renseigné, t'aurais su que j'aurais fait des lives depuis longtemps, tu vois. Faut pas que tu dises comme ça, wesh, tu fais quoi là, tu vois. Faut que d'abord t'ailles te renseigner et après tu dis. Parce que sinon la personne elle peut le prendre mal des fois, tu vois. Parce que si tu lui dis direct qu'est-ce que tu fous là, tu vois. Après, je te connais, c'est. Ah, je lui explique la chose. Je lui explique qu'il aurait pu faire autre chose, tu vois. Bah, après, je te connais, donc je l'ai pas pris mal, tu vois. J'essaie juste de t'expliquer la chose. Bonne nuit, Elias. Écoute, bonne nuit. Pas de problème. Officiel a trouvé un nouveau club. Et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour c'est parti pour cette rencontre. Attention à cette passe lobée. C'est intercepté. Enfin un peu d'air pour la défense. Il peut frapper. À côté. La position était idéale face au gardien. Il se débrouille pour ne pas marquer. C'est presque un exploit. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite.
coéquipier dans la profondeur. Poli. Il joue dans la profondeur. Il frappe au but. Yes. Le but pour le Milan AC. Ah, Balotelli, il a trouvé son rythme. Il est chaud, l'attaquant qui est exceptionnel. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Il glisse le ballon en profondeur. Allez, ça peut faire mal. Il centre dans l'axe. De la défense, ça peut être extrêmement dangereux. Attention, occasion! Oh là là, il est chaud, Balotelli! Il est chaud, Balotelli! Il compte maintenant 2 buts d'avance. Quel enchaînement imparable pour le gardien! Il est chaud, Balotelli! Il est chaud. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Et ça fait 2 passes décisives de... Et il récupère beaucoup de ballons par contre, Mathieu. Il passe. Il a du champ sur le côté. C'est bien repoussé, un peu d'oxygène. Oh, la passe en profondeur. Robinho. Balotelli. Un long ballon dans l'espace. Il écarte, il joue sur l'aile. Poli, bien servi sur le côté. Ah, il faut s'appliquer sur ses centres. Il donne de l'air à sa défense. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Poli. Poli. Tente de la jouer dans l'espace. Il peut conclure. Mastour. Nouveau but dans ce match. Merci Mastour. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. C'est rare de voir une telle puissance. C'est spectaculaire aussi. Quelle puissance. C'est merveilleux. Allez l'arrêter celle-là, tiens. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. 3 buts d'écart entre les deux équipes. C'est à se demander quel va être le score final. Il glisse le ballon en profondeur. Il concède un coup franc.
d'ouverture. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Il combine parfaitement. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Balotelli. Il glisse le ballon en profondeur. Il frappe qui donne rien et pourtant, quelle occasion. Mais comment il peut manquer ça? Ah, c'est un jeune, c'est un jeune. Il peut rater. On sait de quoi il est capable. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Il écarte le jeu. Seul. Balotelli, il cherche un coéquipier dans la profondeur. Il tente le lob. Magnifique. Quel manque de conviction sur cette frappe. Si seulement il la mettait. Ouverture vers le poteau de corner. Bonne interception, il y avait danger. Muntari. Oh, la passe en profondeur. Ah là, c'est tout de même pas très rassurant de la part du gardien. La passe est précise. C'est bien fait. La faute, non? Il allonge. Oh là là. Pour trouver la faille dans la défense. Allez, ça doit faire but. Quel geste défensif. Il joue dans la profondeur. Young. Dans le dos de la défense. Muntari. Il parvient à centrer. Il reste 5 petites minutes maintenant. Oh, il est solide dans ses duels. Muntari. Attention à cette passe lobée. Quel timing dans l'interception. Et je la faisais pas à Balotelli, je la faisais à Mastour là. Allez, la frappe oh, de Mastour. Ça aurait pu être un quatrième but. Allez, c'est fini, 3-0. Alors on aura tout gagné dans cette phase de poule. Cette fois, c'est terminé, l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. De la technique, de la vitesse, de l'efficacité. Voilà, ouais. Ça nous fait 18 points. 6 matchs, 6 victoires. On a gagné 70 000. C'est quand le tirage de l'Europa ? Le club est qualifié pour les phases élimination directe. Y'a qui est qualifié? Regardons. Alors, le Zénith est qualifié. L'AC Milan est qualifié.
Le Tinezi est qualifié, la Z est qualifié, Manchester United est qualifié, ça m'étonne pas. Malaga est qualifié. La Lazio est qualifié, le PSV Eindhoven est qualifié, Saint-Etienne est qualifié, le Blue Cross est qualifié, Olympique de Marseille est qualifié. Le Guardiola qualifié, Real Sociedad qualifié, le Pabro Weston qualifié, Manchester City qualifié, Apple FC qualifié, Arsenal qualifié, Marchedenia qualifié, Porto qualifié, Valencia qualifié, Udinese qualifié, Tottenham qualifié, Lyon qualifié, et voilà. Ah oui, je voulais regarder un truc. Info sur la coupe. Non, le calendrier, je voulais voir. Calendrier, voilà. C'est quand les tirages au sort? C'est juste après le match face à Udinese et Sassuolo. Ok. Bah moi je suis premier et le deuxième c'est Zénith Saint-Pétersbourg. Bienvenue à vous, San Siro. Ces deux mots suffisent pour comprendre très vite, nous sommes dans le plus grand stade d'Italie. Et nous retrouvons donc le Milan AC contre l'Udinese. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Salut à vous Grégoire, salut à tout le monde, ravi de vous retrouver. Celle après la mienne. C'est une rencontre qui, à mon avis, va être très très intéressante. Et de celle après la mienne. Et de celle après la tienne. Ah, après moi, c'est Zénith, ils sont deuxième. Moi, je suis premier. Il joue dans la profondeur et il jaillit pour prendre ce ballon. Terreo, Pinzi. Il y aura donc touche. Badou. Bon, ce n'est que le début du match, mais on attend que ça s'emballe un peu. Dans le dos de la défense, il est à distance de tir. Poli. Balotelli. Poli. Pour trouver la faille dans la défense. Ah putain, j'étais. Le Milan AC qui, si j'ai bien noté, n'a pas encore cadré dans cette rencontre. Mais je les ai dit, toutes les équipes, Black. Je les ai dites. Tu les as pas vues, je les ai montrées. Toutes les poules, je les ai montrées. Il reçoit le ballon à toute vitesse vers la surface. Toutes les poules. Oh, c'est dommage, quelle occasion! T'aurais pu voir. Il va sans vouloir d'avoir manqué ça, c'était une occasion en or. Pinzi. Longue ouverture. Terreo. Moi je sais pas, moi je me rappelle plus, mais je les ai montrés les coups. Et il adore provoquer son vis-à-vis. Il est plutôt pas mal dans cet exercice. Incroyable, c'est une véritable anguille. Une très grande ouverture. Énorme occasion. Il peut en profiter. Il manquait pas grand chose là. Je sais, mais je les ai montrés des équipes, t'aurais dû voir. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe.
Ah, je les ai pas en tête les équipes. Balotelli qui écarte le jeu. Ce ballon dans la surface. Oh, le centre était beau, mais le dernier geste beaucoup moins efficace. C'est pas grave, il fallait la tenter. Ça a surpris la défense et c'est bien de varier le jeu comme ça. Et les deux équipes qui continuent à se neutraliser. Wesh. Balotelli. Attention à cette passe lobée. Oui, bonne intervention de la défense. Menez. Un long ballon dans l'espace. Oh, c'est loin du cadre. Ah, c'est dommage, il avait bien contrôlé le ballon là. Badou. Il glisse le ballon en profondeur. Le but. Oh là, Balotelli. Je sais pas, il a combien de buts, mais non, mais des buts. À l'arrivée, sans dépasser les choses dans cette première période. Alors Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Milan mène d'un but, il faut conserver cet avantage. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. Un seul petit but d'écart entre les deux. Il joue dans l'espace. Oh, la tête! C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Il a bien mis la tête, mais ça manquait un peu de conviction. Le long dégagement du gardien. Va voir, normalement, si tu reviens en arrière, tu les verras, les équipes. Badou. La frappe de Balotelli. Oh putain. Oh, c'était peut-être un peu loin, mais il a raison d'essayer. Surtout que c'est l'un de ses points forts. Pinzi. Quel but important au meilleur des moments possibles, juste avant la pause. Poli. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. C'est pas grave, je peux les éliminer facile, Lyon. T'inquiète. Il y a pas faute. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Armero. Di Natale. Passe en profondeur. Même Lyon, hein. Armero. Le bon service. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Di Natale. Même Lyon, je peux les gagner, hein. On a une meilleure équipe que Lyon. Hein. Balotelli. Ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. Balotelli, il tente de la jouer dans l'espace. Remise en jeu. Lyon serait pas mal aussi. Hein. Pinzi. Mais on s'en fout de Lyon, on n'est pas avec Lyon là qui tombe sur moi. Tant pis, ils auront la malchance, on les éliminera et puis c'est tout. Faute, là. S'en fout, je vais être classé bilan là. Ils tombent sur moi, ils seront éliminés, c'est tout.
Voilà, ils vont pas chialer, ils vont pas me saouler là. Énorme occasion. Ah. Oh, ça pourrait leur coûter cher en finale. Il avait tellement envie de marquer qu'il a peut-être un peu forcé son geste. La tête, superbe. Ils étaient tout près de revenir au score. Et alors? On s'en fout. Qu'est-ce que tu vas faire gagner de l'argent aux autres équipes? On est avec l'AC Milan, pas avec lui, on s'en fout qu'ils gagnent de l'argent ou quoi, au contraire. Notre but c'est de les battre. C'est qu'ils perdent de l'argent, notre but. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Moi je m'en fous de lui en fait, mon AC Milan. Tranquillement. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Encore quelques instants et ils pourront fêter cette victoire. Il peut conclure. La frappe de Balotelli. Franchement, je m'en fous de faire avec l'AC Milan. Donc franchement, il va falloir être précis. La parade, il l'a fait. Oh, l'occasion. Une frappe à mais alors, millimètres. Mais alors, t'es avec l'AC Milan, t'es avec l'Olympique Lyonnais. Le but, c'est de les faire perdre de l'argent. L'équipe, hein. Ça restera. De toute façon, c'est le jeu qui choisit, donc du coup, on va pas choisir. Hein. L'arbitre consulte son chronomètre. Montari. Et le gardien repousse parfaitement. Et je suis avec l'AC Milan, je m'en fous de Lyon. S'ils aient un meilleur gardien, quoi. De toute façon, on s'en fout. On est avec l'AC Milan. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Nilsson, il repousse le danger pour le moment. Montari. Menez. Ouais, mais sauf que là on est en carrière. Du coup on est avec l'AC Milan, tu vois, on gère l'AC Milan. Donc c'est un peu du virtuel, c'est pas du réaliste, tu vois. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Donc, tu t'en fous. Vous savez, c'est jamais facile de tenir à aussi longtemps. Oh Black, ce qu'on va faire là, je vais changer un peu de jeu. Je vais attendre que tu te co, je vais aller sur F1 là. Je vais attendre que tu te co, on continuera après. On continuera après, tu m'enverras un message quand tu seras co. Oh, ok. Vas-y, à tout de suite.